Salut les voyageurs. Nous nous retrouvons pour une vidéo qui me tient à cœur. Son origine, c'est qu'à force d'observer des camping-cars qui passent, avec notamment des conducteurs qui ont, on va dire, entre 60 et 75 ans, je me suis quand même pas mal posé de questions sur la personne qui conduisait le camping-car. Et c'est, pour ainsi dire, toujours un homme. Alors ça a entraîné des réflexions sur le fait que dans notre situation, ça fait à peu près 30 ans qu'on conduit, on va dire 750 000 km, une centaine de milles pour ma femme seule, 650 000 à deux, j'ai la sensation que sur 650 000 km, ma femme n'a pas conduit plus de 10 000 km quand nous étions les deux. Et comme tout changement, ce qui est le cas avec ce camping-car de grande taille, c'est peut-être l'occasion de se poser les bonnes questions. Voilà un grand débat qui est lancé et il se terminera par notre gestuelle pour faciliter les manœuvres en camping-car. Le débat est lancé, ça va probablement provoquer un petit peu d'émotion chez les personnes qui ont déjà eu ce discours ou ces réflexions. Alors voici quelques secondes d'interlude musical et on se retrouve juste après. Ist Rolle nicht, und wenn das Herz auch bricht, ich sah dich ja im Traume und sah die Nacht in deines Herzens Raume und sah die Un premier point qui est très important et que j'ai observé lors des premiers trajets en camping-car, c'est que certes la dimension est grande, la longueur quand on roule dans la bonne direction, on ne s'en rend pas vraiment compte, c'est plutôt la largeur à laquelle il faut faire attention, mais on retrouve aussi un sentiment de sécurité, et de sécurité aussi avec la personne qui conduit avec soi, parce qu'on est assis très haut et qu'on a un pare-brise très large. Quant au fait d'avoir une remorque derrière le camping-car, tant qu'on est en ligne droite, si on a choisi la bonne remorque, notamment avec des feux de gabarit, et je vous renvoie à une vidéo sur le sujet des remorques idéales pour conduire, mais aussi pour faire des manœuvres, eh bien en fait, tant qu'on va de l'avant, on va dire, eh bien c'est pas un problème d'avoir une remorque. Bien sûr, le moment où rien n'est simple avec un camping-car, c'est quand on commence à faire des manœuvres et notamment entamer des marches arrière. Alors toujours avec la remorque, si c'est une remorque qui, comme sur cette vidéo, est équipée d'une barre de solidarisation, on se retrouve avec un camping-car avec un très long porte-à-faux, à quoi il faut faire attention, mais c'est pas plus compliqué que ça. Pour les manœuvres en marche arrière, en tout cas en ce qui nous concerne, nous allons systématiquement, et nous avons déjà systématiquement respecté, ces trois points. Le ou la passagère descend pour guider. On a trop vu de camping-cars à l'époque où on faisait du camping, on a trop vu de camping-cars qui se cognaient dans des petits obstacles qui étaient limite invisibles si on n'était pas guidé par le passager ou la passagère. Celui ou celle qui est descendu du camping-car pour guider doit voir en permanence le visage de celui ou celle qui conduit dans les rétroviseurs. C'est la seule solution pour s'assurer que celui qui manœuvre va savoir où se trouve celui qui guide. Celui ou celle qui descend pour guider le camping-car doit avoir une idée de comment va se comporter le camping-car pendant la manœuvre. Donc une idée de comment ça va se passer avec le porte-à-faux, avec cet effet de balayage. Je te renvoie à cette vidéo qui en parle. Mais aussi, comment va finalement braquer le camping-car. Et ça va nettement aider, ça veut dire que celui qui aide à la manœuvre doit savoir où il ou elle veut amener le camping-car sur l'emplacement. Pour les raisons évoquées ci-avant, on va partir du principe que pour les manœuvres fines, c'est Agnès qui prendra le volant et je la guiderai, un peu comme ces images qui vont suivre. Quant à l'expérience déjà réalisée sur Agnès au volant, j'ai été totalement sécurisé par le fait qu'on est installé haut. On voit ce qui se passe, y compris dans des endroits qui ont commencé à être étroits, comme des zones de travaux. Pour ces manœuvres fines, nous sommes tombés d'accord du premier coup sur une gestuelle simple pour la personne qui guide et ce que doit réaliser au niveau du volant la personne qui réalise la marche arrière.
simplement rajouter à ça deux points principaux qui sont l'arrêt total avec les mains en croix et par ailleurs le fait de pouvoir guider sur le rapprochement d'un obstacle en présentant simplement ses mains qui se rapprochent petit à petit jusqu'au fait qu'elles se touchent et qu'on peut finir par un mouvement de croix. Le dernier élément que l'on peut conserver en tête et qui fonctionne toujours, c'est que si quelque chose d'inattendu arrive et qu'on ne peut plus du tout penser à la gestuelle, le fait de taper avec le plat de la main sur le côté du camping-car s'entend immédiatement au niveau de la personne qui conduit. Pour conclure, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est un cheminement qui est important pour nous au niveau de la façon de se répartir le volant et de la confiance à se faire lors des manœuvres. N'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à liker cette vidéo et jette un œil aux autres vidéos des différentes playlists. À bientôt.